Camailleux, oui, la marque Camailleux. Ce mot Camailleux vient du mot kermez, lui-même vient du persan, kermez, kermizi, qui veut dire rouge acariâtre. Nous avons calfeutré. Calfeutrer un bateau ou calfeutrer des ouvertures dans une maison pour empêcher le froid d'entrer, eh bien, ça vient du mot qalafa en arabe, du verbe qalafa qui veut dire eh bien, calfeutrer avec du goudron ou quelque chose d'autre. Nous avons la carafe. Eh bien, la carafe vient du mot garrafa. Al-garrafa en arabe qui est donc eh bien, une tasse dans laquelle nous buvons ou un bocal. D'ailleurs, dans certaines régions du Maghreb, pour le bol, nous disons parler rfiya. Ça vient de là. Chiffre. Chiffre vient du mot zéro en arabe. Sifr. De sifr, il est passé à l'italien, ensuite à l'espagnol et de là au français et s'est transformé en mot chiffre. Zéro aussi d'ailleurs. Les deux viennent du mot sifr en arabe. Koufan. Oui. Le koufan. Bon, d'accord. Ça devient quelque chose de vieillot, puisque c'est remplacé par les caddies. N'empêche que le koufa vient de l'arabe koffa. Koffa qui s'utilise encore aujourd'hui dans l'arabe moderne et dans les parlers, au Maghreb notamment. Cramoisi. Cramoisi vient également du mot kermez, tel que camailleux tout à l'heure. Kermez, lui-même venant du persan, qui veut dire donc rouge acariâtre. Car la chose cramoisie vire à l'acariâtre, voire au violet. Civette, l'animal que voici. La civette est un animal qui sécrète une substance que les Arabes utilisent en tant que musc. Car le musc, vous ne le savez peut-être pas, est un parfum d'origine animale. Cela s'appelle en arabe azabad. Zabad, civette. L'animal lui-même se dit qittu zabad, le chat au zabad, le chat au musc.